Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et on retrouve pour notre 27e épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Ace Attorney. Dans le dernier épisode, nous avons terminé le procès du troisième jour et maintenant occupons-nous à la dernière investigation. 19 octobre 15h27, cabinet d'avocat Wright & Co. Nous avons eu chaud, hein, Mia? Vraiment? Mince alors, je suis désolé d'avoir raté ça. Maya? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense avoir une petite idée quant à l'identité du coupable. Maintenant, j'ai simplement besoin d'un mobile et d'une preuve. Waouh, tu te débrouilles super bien, Nick. Conformément au système de procès initial, demain est le dernier jour. Procès initial? Procès initial? Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau système juridique qui a été introduit il y a 2 ans ou 3 ans. Il y avait trop d'affaires en cours, donc ils ont décidé d'accélérer les choses. Alors, selon ce système, un procès doit être bouclé en 3 jours? En gros, oui. Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Bon, on a quand même du temps à perdre pour dire ce qu'elle en pense. Samuel est d'acier. Je ne comprends pas, Maya. Pourquoi Monsieur Hammer a-t-il volé le costume du samouraï d'acier? Quoi? Tu veux dire que c'est Monsieur Hammer qui portait ce costume? Oui. Mais Monsieur Hammer est la victime, Nick! Pourquoi serait-il donné la peine de voler? C'est ce que nous devons découvrir. Alibi du réalisateur. Qu'a donné le témoignage du réalisateur? Bah, il est clair que le réalisateur et la productrice étaient dans le mobil-home. Ah. Ce qui signifie que l'assassin est forcément l'un d'eux. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en réalité, le crime a eu lieu au studio 2. Là où se trouve le mobil-home, évidemment. Quoi? Maya a-t-elle toujours un tempérament aussi nerveux? Des idées. Alors, as-tu remarqué quelque chose qui pourrait nous aider? Je ne vois pas ce qui se passe quand Mia est ici. Donc non, je n'ai rien remarqué. D'accord. Peut-être que nous devrions parler à GL? GL Lomte, c'est vrai. Bon, comme vous l'avez compris, on va se diriger comme à chaque fois, à chaque enquête, on se dirige toujours en premier vers l'accusé. 19 octobre, centre de détention, le parloir. Monsieur Wright, vous avez très bien manœuvré aujourd'hui, merci. Oh, merci. Arrête, on dirait que tu as éclaté en sanglots. Waouh, Nick! T'as dû vraiment les emballer. Tu pourrais aussi arrêter d'avoir l'air si vulnérable. Hé, GL! Plus qu'un jour! Il faut le rendre mémorable! Oui. Mais y a-t-il vraiment pas grand-chose que je puisse faire pour vous aider? Ah ah ah! Je suis pas sûr non plus de pouvoir faire quelque chose. Merci! S'il vous plaît, y a pas de quoi en rire. Bon. On va commencer à discuter avec lui. Productrice Vatez, Monello réalisateur Monsieur Hammer. Productrice Vatez. Pourriez-vous m'en dire plus sur Madame Vasquez? Oh, la productrice! Elle est très respectée dans le métier. Ils disent que c'est un génie. Un génie? Elle est chez Global Studios depuis 5 ans. Quelle est raison ou tort, personne n'ose la critiquer. Pourquoi? Depuis qu'elle a repris les rênes, nous n'avons connu que des succès. La situation de Global Studios était catastrophique, mais elle a su renverser la vapeur. Oh, et quoi? Rien, rien, laissez tomber. Je n'ai entendu que des rumeurs, de toute façon. Intéressant. Monello réalisateur. Pouvez-vous parler de Monsieur Monello? Oh, c'est un réalisateur de bas de gamme, dont les films ne sortaient qu'en vidéo. Mais parce que j'ai décelé quelque chose dans son travail. Il lui a donné l'idée du samouraï d'acier. Maintenant, tout le monde connaît le nom de Salmonello. J'ai entendu dire qu'elle le faisait marcher à la baguette. Elle lui dirait de se jeter du pont, il le ferait. Je l'imagine bien par marcher à la baguette. Mais je le vois mal enjamber un balcon, et c'est pas faux. Monsieur Hammer. Je me posais une question concernant Monsieur Hammer. C'était une grande taille à l'entendant, non?
Et puis tout d'un coup, il a disparu de la circulation. Oh. Ah oui, vous avez raison. Il était mon modèle quand j'ai commencé dans le métier. Mais soudain, il n'a plus accepté aucun grand rôle. Et il a commencé à apparaître dans de petites productions de Global. Comment a-t-il pu nous faire ça? J'avais vraiment hâte de voir la suite de l'été du samouraï. En fait, il a abandonné sa vie de star il y a 5 ans. D'ailleurs, en y repensant, c'était pile le moment où Madame Vasquez est arrivée au Global. Intéressant. Il y a 5 ans? Voilà. Donc là, on a déjà une information complète. Et on va se diriger maintenant vers l'entrée principale. Oh, mademoiselle est chouette. Ah, je vous adore, vous, hein, vous savez. Et vous êtes ma grande star. Rien. Le vieux moulin à parole est bien silencieux aujourd'hui. Vous savez, cet endroit est si paisible comme ça. Nick, je crois qu'elle a baissé sa garde. Tu crois? Je te parie qu'on pourrait même manger ses beignets si on voulait. Vous les mangez, vous êtes mort. Yo, elle est bien vivante. Est-ce qu'on va pouvoir discuter un petit peu avec elle? Au revoir. Je me posais des questions au sujet de la productrice Yves Vasquez. Oh, les grands bonnets des studios l'adorent. Dis Yo, du coup, elle n'en fait qu'à sa tête. On sent de l'amertume. Vous n'aimez pas la productrice? Écoutez, le studio ne veut pas que je parle d'elle, alors désolé. Ok, pas de soucis. Puis-je vous poser des questions à propos de Salmonello, le réalisateur? Sal? Il est mou, il se laisse faire. Il fait tout ce que Vasquez lui demande. Elle le traite comme un chien, et je crois qu'il aime ça. Le chien, ça, ça de bazo. Hein? Personne n'aime traiter... N'aime être traité comme un chien. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas, Nick? Non, ce n'est pas logique, d'ailleurs. Sauf que les sadomasos, ça existe. Désolé, je suis obligé de le dire. Parce que ça ressemblait. Monsieur Hammer. Concernant Monsieur Hammer. Ah! Je sais ce que vous avez dit aujourd'hui! Avortons et frottez! Pauvre Hammer! C'était une duel! Et vous, vous la triez là, vous! Lui, le traité de criminel, de voleur, je ne l'oublierai pas. Oula, elle est vraiment en colère cette fois. Écoutez-moi, Froniquet, mon programmeur n'aurait jamais fait une chose pareille. Pourquoi a-t-il volé le costume de l'onté pour pouvoir se mobiler devant moi? Il ne serait jamais tombé aussi bas, impossible. Ok. Ok, on vient de l'énerver, on va se barrer. On va partir vers la zone des employés. J'espère que quelqu'un meurt, j'espère. Des employés. Je suppose qu'il ne tourne pas aujourd'hui non plus. J'aurais bien aimé avoir un sondage juste une fois. Ce procès sera terminé demain. Après, tu pourras peut-être les voir tourner. Sûrement. C'est ici que j'ai trouvé ce flacon de somnifère, n'est-ce pas? Je me demande s'il y a d'autres preuves dans le coin. Yeah! Non, 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 pas touche! Oula. Monsieur détective, retour! Oh, pardon, mademoiselle! J'avais pas l'intention de vous faire peur! Pas l'intention? J'ai failli avoir une crise cardiaque! Là, j'ai failli. Donc là, il y a une erreur d'orthographe. Mais ce n'est pas grave. Je sais que je suis parfois un peu mélodramatique. Mais ça va être l'acteur qui s'en est en moi. Mélodramatique en effet. Ahem. Bref, je suis ici pour examiner l'assiette posée sur cette table. Attendé, êtes-vous à la recherche de somnifères? Oui mon gars, des traces de ce dernier. Ok, allons-y. L'assiette. Alors vous êtes à la recherche de traces de somnifères, comment? Pour un examen complet, je dois emporter la snack au poste. Mais je suis capable de réaliser un examen sommaire ici même. Le type du labo m'a donné cette solution de test. Réalisez aux somnifères, vous voyez. S'il y a une trace, elle change de couleur. Waouh, super! Eh bien, inspecteur détective, qu'est-ce que vous attendez? Allons, chaque seconde en son temps, mademoiselle.
La solution de test appliquée sur l'assiette a bien changé de couleur. Il y avait donc des sonifères dans cette assiette. Il y avait donc des sonifères dans cette assiette, excuse-moi. Ça m'en a tout l'air. Donc l'assiette a été rajoutée au dossier de l'affaire. Ok, l'enquête. Comment va votre enquête? Comment va votre enquête? J'ai du mal, c'est la voix de Phoenix qui vous prend. Comment va votre enquête? Honnêtement, c'est une véritable pagaille, mon gars. Certains pensent qu'on devrait poursuivre l'action qu'on relentait, mais d'autres pensent qu'on devrait changer de suspect. Et vous, qu'en pensez-vous, inspecteur Tective? Eh ben, mademoiselle, je déteste vous devoir l'admettre, mais je suis pas sûr, maintenant, de la culpabilité de Monsieur Lonté. Je me sens un peu mal pour Monsieur Hunter, d'ailleurs. Ok, l'avocat Hunter. Comment va Hunter, d'ailleurs? Hunter est déchaîné! Dans sa salle d'attente, il a écrasé un gobelet contenant du café encore brûlant. Wouh! Bonjour les brûleurs, mon gars! Waouh, la fureur d'Hunter! Ouais, écraser des gobelets en plastique. Gobelet, flacon. Dites, qu'en est-il advenu du flacon vide? Ah, le flacon de somnifère! Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, mon gars. Ils ont trouvé les empreintes de la victime, Monsieur Jack Hammer, dessus. Ce qui signifie? Ouais, apparemment, celui qui a drogué Monsieur Lonté n'était autre que la victime elle-même. J'avais donc raison. Le flacon de sniper est ajouté au dossier de l'affaire. Et on peut rien faire avec lui. Donc on va se diriger maintenant vers la loge. Oh! Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je nettoie la loge, hein, c'est tout. GL ne s'en sortira sûrement plus, donc. Quoi? Pourquoi? Mais GL est innocent! Oui, oui, je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais cette semaine, c'est le dernier épisode de Samouraï d'Acier. Quoi? Non! Ok, on va pouvoir parler un petit peu. Monsieur Hammer. Je me demandais s'il serait possible que je vous pose des questions sur Monsieur Hammer. Oui. Oui. Le jour du meurtre, est-il allé au studio 2? Hein? Je croyais qu'il était au studio 1. Il a aussi volé le costume du samouraï d'acier. Quoi? Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il fait ça? Oh. Alors la rumeur était donc vraie. La rumeur? Oui. Madame Vasquez, la productrice, avait une certaine emprise sur Hammer. Elle savait des choses sur lui. Et il faisait tout ce qu'elle lui demandait. Des choses? J'espère que c'est pas des choses assez mignonnes. Des choses? Quelles choses? Des choses, vous savez, des ragots. Qu'est-ce que vous entendez par ragots? Il y a environ 5 ans, il tournait un film avec Monsieur Hammer. C'était dans le nouveau studio. Studio 2. Intéressant. Un accident a eu lieu lors d'un tournage. Après cela, ils n'ont plus jamais réutilisé le studio 2. Intéressant. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Intéressant. Le plateau? Mais alors, ce mobilium faisait partie des corps. Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire le dernier épisode de Samouraï d'Acier? Je sais que c'est un choc, mais on ne peut plus rien faire pour l'en empêcher. L'assassin de Monsieur Hammer a également signé l'arrêt de mort du Samouraï d'Acier. Non, non! J'ai entendu dire aussi que Global Studios avait changé sa programmation. Ils ne vont plus réaliser de séries pour enfants. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est triste, mais c'est ce que Global Studios a décidé. Ok, Eric du studio. Pourquoi ne veut-il plus faire de séries pour enfants? Les gros bonnets du studio ne veulent plus entendre parler du Samouraï d'Acier. Ils veulent oublier que tout ceci a eu lieu. Ils veulent étouffer l'affaire, vous comprenez? Comment peut-il faire ça? Et tous les enfants quand même, les amoyés d'acier? C'est bon, je suis sûr que les enfants s'en remettront. Ils se trouveront un nouvel héros. Non, ça peut pas être vrai! Si la série s'arrête, ils auront le cœur brisé!
Nick, dis quelque chose. Oui. Je crois qu'une preuve, plutôt des mots, est nécessaire. Voilà, regardez ceci. Chemin vers la gloire de Kim-Lion. Et c'est la collection de photos d'un fan. Les enfants adorent le samouraï d'acier. La série ne peut pas s'arrêter juste parce que les adultes veulent sauver la face. J'aurais bien cru que vous l'auriez compris mieux que moi, mieux que quiconque. Vous avez raison. Ok. Mais que puis-je faire? Eh bien pour commencer, vous pouvez me dire quelque chose. Et on va s'arrêter là. On va voir ce qui va se passer après ce quelque chose. J'espère que ça vous aura plu. C'était GF, stay tuned!